PEGI 18. I ran the 1980s. I was the 1990s. I'm Gay Tony, and I'm back. Going back to what we do best, a dance music paradise. You can do whatever you want down here. Set up a hub for your other businesses. I know nothing. But get me a DJ! Let's get to the disco. Great music, great crowd. Big up the London Massive. I love narcissism. Might wife a challenge, but there's a limit here. Spared no expense. Well, it was a cheap plane, but whatever. Tony? Yeah? I don't think you can say Gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour analyser le trailer du coup du nouveau DLC donc qui est sorti sur la chaîne officielle de Rockstar. Donc je vous ai fait un aperçu juste avant, voilà, faire un petit aperçu. Donc là c'est parti, on va l'analyser ensemble, on va essayer d'analyser un peu les infos les plus grosses, parce que c'est vrai que Rockstar est un petit peu, est toujours un petit peu, des fois un petit peu vague sur certains points. Donc allez, c'est parti. 18. Rockstar, ok. I ran the 1980s. I was the 1990s. I'm Gay Tony, and I'm back. Ok. Going back to what we do. Là, donc déjà, une info déjà plutôt, plutôt intéressante. Donc justement, la question est-ce que du coup on pourra acheter le dirigeable en ligne, l'avoir et le customiser, ou alors est-ce que ce sera juste en haut de la boîte de nuit justement pour nous faire de la pub? C'est la question que je me pose, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, enfin voilà, j'aimerais vraiment avoir pas mal d'avis dans les commentaires. Donc ça faisait partie quand même des infos assez, des petits détails assez importants, donc pas si petit que ça au final. Do best of dance music paradise. Okay. You can do whatever you... Donc là... on peut apercevoir du coup notre joueur, je pense. Enfin, on peut s'imaginer que ce soit nous. Donc derrière notre bureau, donc on aperçoit du coup la discothèque, enfin la boîte de nuit juste derrière. Donc pour gérer, je pense, tout ce qui est organisation, parce que à mon avis, il faut pas rêver. Hein, ce sera pour donc la boîte de nuit, ce sera vraiment pour faire du trafic et tout, pour blanchir justement. Donc là justement, voilà. Donc c'est parti, on va continuer justement. Allez go. Ok, donc là tu peux installer un pôle central pour tes autres affaires, donc pour gérer les affaires ce sera un petit peu comme les QG. Donc j'ai un petit peu du mal, on voit pas, hein, c'est assez vague justement. Voilà, je prends un petit peu de recul. Ouais, on sait vraiment pas ce que c'est, donc on verra par la suite, c'est pour ça qu'il y a certains points où je peux vraiment pas beaucoup m'avancer. Donc là justement, point super, super cool, vraiment moi j'ai vraiment eu pas mal de garages, ils sont tous blindés, je pense que pour pas mal de personnes. Là, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. On a un garage qui est vraiment en plus, qui a vraiment un style super, super original. Un petit peu déçu par rapport aux véhicules. Je m'attendais à avoir des véhicules, je pense qu'on aurait dans le DLC. Je pense, du coup, ce véhicule-là, il me semble qu'on l'a. Celle-là aussi. Sabre Turbo aussi, on l'a. Là, j'arrive pas trop à voir celui que c'est. Ce véhicule-là, on va le voir juste après dans le trailer. Donc là, on aperçoit la Banshee, si je me trompe pas. Ce véhicule-là, on l'a aussi. Celle-là, elle me dit rien. C'est un véhicule qui me dit rien. Et celle-là, je pense que c'est la version de la Porsche là. Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc vraiment, maintenant, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc c'est parti. On va continuer. Mais vraiment super sympa le design et tout. C'est plutôt cool. Voilà. Donc on aperçoit aussi le véhicule là. Bah non, pourtant, elle est là la version de la. Ouais, je sais pas. On verra. Get me a DJ. Voilà, patate. Let's get to the disco. Direction la boîte. Donc voilà. Donc justement, le véhicule que je viens de vous montrer juste avant dans le garage. Donc vraiment, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Je pense que ce véhicule va vraiment coûter très cher. Vous savez très bien que ce véhicule, on peut le trouver vraiment, on peut le voler à n'importe qui dans la rue, dans GTA Online. Donc bah, bien évidemment aussi en mode histoire. Donc je pense que là, il va vraiment coûter cher déjà pour le rallonger, donc en mode limousine, et au niveau de la customisation, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc dites-moi à peu près, qu'est-ce que vous pensez au niveau du prix dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir tous vos avis. Great music, great crowd, big up the London Massive. I love narcissism. My wife a challenge. Okay. But... là on a un véhicule aussi plutôt pas mal, vraiment, il a l'air d'être vraiment bien armé et tout.
Il me fait penser au. J'arrive pas à me rappeler du nom du véhicule. Aidez-moi d'ailleurs dans les commentaires qui peut tout défoncer là avec l'espèce de. Je sais pas comment. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Enfin, je pense que tout le monde voit un peu ce que je veux dire. There's a limit here. Donc là, pas mal. Vraiment pas mal, super sympa. Le bus et tout aménagé avec les caissons devant, les trucs de teuf et tout. Avec l'hologramme en haut. Vraiment super sympa. Je pense vraiment qu'on pourra personnaliser tout ça. Donc c'est plutôt cool parce qu'ils ont fait boîte, mais ils ont fait tout ce qui était teuf et tout ce qui est un peu à la sauvage, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Spared no expense. Hop, donc là, on va reculer un petit peu. Toc. Donc là, on a donc ça, il me semble de mémoire hein, qu'on l'a pas. Donc ce véhicule-là, on l'a. Ça, je sais. D'ailleurs, je vous l'ai pas présenté en vidéo. Il y a d'autres véhicules derrière. Ça, c'est pareil. J'ai pas de souvenir à moins que c'est là. Non, c'est pas la Kuruma. Il y a d'autres véhicules aussi là qu'on voit. Je pense qu'on va mieux les voir derrière. Donc voilà, ces véhicules-là, c'est sûr, on les a pas. Ça me dit rien. Donc là, il y a un véhicule qui va voler. Donc bah, le véhicule bleu qu'on a vu juste avant. Bah, Un it avion. L'avion, il fait pas cher, mais whatever. peu importe. Tony? Yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Donc il faudra attendre le 24 juillet PS4, Xbox One et PC. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires justement, j'ai envie de voir justement, parce que bon, comme tout le monde le sait, beaucoup de joueurs ont vraiment quitté GTA V. Donc dites-moi justement si ce DLC-là va vraiment vous faire revenir sur GTA ou non. Parce que bah, malheureusement, beaucoup de personnes ont quitté GTA par tout ce qui était déjà par manque de temps, parce qu'il fallait vraiment faire des missions et tout, et ça prenait du temps et tout, les missions c'était pas vraiment intéressant, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la clé et tout. Donc dites-moi, voilà, je veux juste savoir si ce DLC ça va vraiment vous faire revenir sur GTA. Ou non. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et donc moi je vous dis à une prochaine. Bye!